Bonsoir à tous. Seconde. Ah oui. Pourquoi je m'entends double? Je m'entends double? Voilà, comme ça. C'est mieux. Oui, c'est bon. Vous m'entendez. Du coup. On va se retrouver pour le premier stream de la journée. Pour faire du Dejarik avec Mori. Une autre streameuse qui fait un petit peu de jeux vidéo de manière assez générale. Et je vais la rejoindre directement. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? C'est dur. Et toi, ça va? Oui, bonsoir, tranquille. Oh la vache, en fait, en vrai, j'ai mis mon réveil à 10h30. Et quand je t'ai envoyé le message, c'est vraiment le moment où j'ai réussi à ouvrir mes yeux. Pas de soucis. Ah, j'ai l'impression d'avoir une barre sous les yeux, c'est terrible, c'est le temps que ça se réveille. Je vois pas pourquoi. Franchement. Du coup, on va faire du Dejarik. Le Dejarik, globalement, c'est une sorte d'échec version Star Wars. Et on va y jouer sur Tabletop Simulator. C'est un simulateur sur lequel on peut uploader plein de jeux différents, fait main. Et il se trouve que Tribune a fait un plateau de Dejarik sur lequel on va pouvoir jouer très facilement. Trop fort. De toute façon, t'avais déjà utilisé Tabletop Simulator avant-hier. Pour le sabac. Je vais t'envoyer directement une invitation. Attends, j'ai cliqué sur le patch. Je sais pas si tu peux me renvoyer. Je peux te renvoyer normalement. Ok, c'est bon. Rapide, bon. Efficace. Hein. T'as vu ça? Ah, attends, il y a un truc que je voulais rajouter. Ça. Cal, porte. Franchement. Ok, attends, en bas à droite, c'est les règles. Attends, deux petites secondes, je vais fermer juste ça, je vais relancer. Je vais juste rajouter un petit truc. Mets de serveur. Ah, le patch note encore. De quoi? J'ai encore ouvert le patch note en cliquant sur ton invitation et j'ai pas pu accepter ton invite. T'inquiète. J'arrive. Alors je suis déjà pas très doux habituellement, mais alors là. Bah en fait, je comprends pas. C'est je dois cliquer sur ta tête ou je dois cliquer sur le texte? Parce que quand je clique sur le texte, ça m'ouvre le patch note. Bah, ce que t'as cliqué tout à l'heure vu que ça a marché. Bah, j'avais cliqué sur le texte. Et là, en cliquant sur le texte, ça n'a pas marché? Patch note. Non, je vais cliquer sur ta tête. Et je te renvoie. Comme ça, je sais plus même à quoi certaines notifications que tu reçois, donc... Bah, c'est un petit rectangle en bas à droite, mais c'est sur ta tête qu'il faut que je clique. Et bien voilà, clique sur ma tête. Du coup, ouais, c'est la petite musique de fond que je voulais rajouter. Ça marchait pas tout à l'heure. Ah, attends, je l'entends pas. Tu l'entends pas? Si tu vas dans musique sur la barre d'en haut, tu vois rien? Alors, en gros, ça me met que j'ai pas la permission d'interagir avec la musique. Et t'as pas de son? Non, j'ai rien. Bon, bah, c'est pas grave. Tant pis. C'est pas essentiel. Il y aura pas d'ambiance chez moi, d'accord.
Tu commences déjà à me piéger, c'est ça? Non mais je voulais créer une petite ambiance cosy et tout ça, mais bon, c'est pas grave. Bon bah tant pis, je vais chanter, c'est pas grave. Ce sera peut-être mieux. Na 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 na. Non. La musique de l'enfer. Alors du coup, effectivement, je vais te... Là. Ah, let's go. Alors, pour lire, tu passes la souris dessus et tu appuies sur Alt. Et du coup, ça va te l'afficher en gros. Normalement. Oui, c'est bon. Parfait. Voilà. C'est, oh, beaucoup, la vache. C'est beaucoup plus simple à lire. De toute façon, pour retenir, c'est juste les M et les A. Yes. Alors, petit rappel des règles. Globalement, du coup, le Dejarik, un petit peu comme les échecs, le but du jeu, c'est de manger les pièces des autres. Donc, par exemple, sur le départ, on va avoir chacun 4 pièces. Tac, on va les mettre comme ça. Enfin, on pourrait les replacer. Là, je passe au pif au début pour l'exemple. On va se déplacer sur le plateau, sachant que le petit rond au milieu, ce sont pas des cases. Hein. C'est, en gros, c'est deux cercles. Je me souviens. On va se déplacer autour avec chaque pièce va avoir des mouvements différents. En soi, nos pièces, ce sont les mêmes. Parce qu'il y a 4 classes de pièces et on est les mêmes. Il y a la brute, le prédateur, l'éclaireur et le gardien. C'est écrit en passant la souris sur les pièces. Pour les classes. Yes. Du coup, tu peux voir ta brute et ma brute pour savoir par exemple lesquelles sont les deux pièces équivalentes. Et du coup, chaque pièce a une façon de bouger, une façon d'attaquer qui est différente. Donc effectivement, tu as les petites cartes de rappel de règles. Sur les cartes de rappel de règles, la case qui est coloriée en vert, c'est l'exemple de la case de départ. Le M, c'est le mouvement, donc c'est là où on peut aller. Et le A, c'est là où on peut attaquer. Donc, si on prend par exemple la brute qui est toi, ton mantélien Savrip, il attaque et il bouge de 1 dans toutes les directions. Donc, lui en soi, c'est le plus simple à se souvenir. Il a un mouvement qui est particulier, c'est que quand il est sur le cercle extérieur, comme on le voit à gauche, il peut se déplacer à l'opposé du plateau. Ça, je me souviens. Il y a aussi, en assez simple, ton Klorslurg. C'est le prédateur. Qui va se déplacer de 2 sur le côté et de 1 en avant entre les deux cercles. Et qui va manger un petit peu comme un cheval aux échecs, c'est-à-dire en faisant 2 et 1, enfin, en comme un L. Yes. Et à l'inverse, il y a ton Molator, par exemple, qui est du coup le gardien, qui lui fait l'inverse, il se déplace en L, et il attaque de 2 sur le côté. Et la dernière classe, c'est l'éclaireur, donc toi c'est ton Gluck. Beaucoup trop de H sur ce mot. Attends, tu peux le reprendre? Merci. De rien. Celui-là, il se déplace du coup en diagonale de 1 ou de 2 sur le côté. Et il va attaquer de 1 en avant, c'est-à-dire entre les deux cercles. Ok. Et il a un mouvement aussi particulier, c'est qu'il peut faire du surplace, qui est le M sur la case de départ. Donc c'est genre je passe mon tour et je bouge personne en disant que je joue lui et je bouge pas. Exactement. Sachant que dans les règles, okay, tu ne peux pas faire deux fois le même mouvement entre deux tours. Du coup, si jamais tu fais le, enfin, tu peux pas faire deux fois de suite le stop. Sinon c'est trop cheaté. Okay. Sur le placement des pièces au début, il y a une seule. Alors, il faut les placer sur les 4 cases qui sont devant toi, comme j'ai placé ici. La seule condition, c'est la brute qui n'a pas le droit d'être sur le cercle extérieur, puisqu'elle peut se déplacer, elle peut se TP de l'autre côté. Donc en fait, tu peux pas le faire au début. Simplement. Donc il y a juste ton Mantalian Savrip qui doit être entre ces deux cases-là. Après, les autres, tu les places comme tu veux. Ça marche. Et bonsoir à tous dans le chat. Et voilà globalement. Du coup, si tu es censé prendre ta revanche après t'être fait alpaguer par des Mandaloriens il y a quoi, 2-3 semaines? Ouais, voilà. Oui, voilà, exactement. Oh,
bordel, il y a eu 100 euros de Shadowstorm. Oh waouh. Qu'est-ce que je voulais dire? Et les petits trucs verts, ça sert à rien? Les petits trucs verts, ça, ah oui, c'est effectivement une petite règle. Quand il ne reste plus que une pièce à un joueur, il lui reste plus que 3 tours pour tenter de gagner. Et si en 3 tours il n'a pas réussi à prendre le dessus, eh bien on arrête parce que sinon la partie sera infinie. Du coup, en fait, ça, c'est pour compter les tours. Alors. Ça marche. Ça marche. Voilà. On peut jouer comme ça aussi. Alors, déjà que ça va être long et compliqué, je vois pas mes personnages. Tu commences ? Je peux commencer, si tu veux. Est-ce que tu veux replacer tes pièces ou tu laisses comme ça, random ? Moi, je t'avoue, j'ai pas de stratégie, donc... j'essaie de passer au pif. Et comment pour les prendre? Tu cliques et tu restes appuyé dessus. Bah, tu... Comme ça. Tu peux pas? Ah non, oui, je sais pourquoi. Normalement, tu dois pouvoir. Voilà. Oui, merci. Tu vas me dire sur mon chat si la musique est trop forte ou pas. J'ai eu un message très intéressant, en tout cas sur le mien, te concernant. Qui ? Tu fais genre 1000 games à ce stade, il veut encore nous faire. Il veut encore, en gros, nous berner avec son j'ai pas de stratégie. Mais c'est premier degré, je n'ai pas stratégie sur le placement du début. Après, c'est parce que j'ai pas réfléchi à comment est-ce qu'il faudra en faire. Oui, j'ai de la stratégie sur le reste, mais pas sur le placement. Vas-y, je suis prête. C'est ce que tous les stratèges disent, ouais, c'est ça, Rogan. Alors, du coup, en fait, tu pouvais pas bouger tes pièces parce que c'était à mon tour. Et du coup, là, une fois que t'as fini, tu peux cocher le petit truc qui est apparu en haut. Oui, voilà, exactement. Ah, ok. Et du coup, là, normalement, tu ne peux plus bouger tes pièces. Du coup, en fait, on valide son tour et ça l'autre de jouer. Alors, j'ai bougé ma brute de 1 ici. Du coup, là, la brute qui bouge de 1 dans toutes les directions. Et pour ceux qui n'auraient pas reconnu, le Dejarik, c'est par exemple le jeu qu'on retrouve dans le Faucon Millennium sur la petite table d'un nouvel espoir. C'est Stropeo qui joue, non, R2 qui joue contre Chewbacca. Mais c'est en hologramme. Là, c'est en version bois. Alors. Tu sais qu'en vrai, je pense que c'est l'un des rares jeux Star Wars, parce que vu qu'on le voit un peu visuellement impactant dans les premiers, que je voulais vraiment apprendre à jouer. Par rapport au sabbat que pour moi j'ai retenu un peu plus tard, tu vois. Ouais. Bah en soi c'est le premier jeu Star Wars qu'on voit, enfin en tout cas dans qui existe dans l'univers. J'ai bien l'impression, ouais. Le sabbat qu'on le voit dans les films, on le voit que dans le film Solo. C'est arrivé très tard. Alors attends, lui. Tu peux faire ça ou pas? Je vais parler du Gluck. Alors le Gluck, liste de place de 1 en diagonale ou de 2 sur le côté. Donc tu peux le mettre là ou là. Ou là. Ok. Alors. Sachant que tu aussi, je pense aux pièces qui, par exemple, qui se déplacent de deux cases, tu peux sauter d'autres pièces.
Genre là, par exemple, celui-là. Hop, je peux le déplacer là. D'accord, ok. Et à tous aussi, si vous voulez jouer à ce qu'on fait, il faut juste télécharger Tabletop Simulator sur Steam. Et après, dans le workshop depuis Steam, vous marquez Dejarik. Et vous pouvez choper celui-là, du coup, c'est Tribune, mon acolyte casqué qui l'a fait. Vous pouvez le télécharger, ça c'est un petit mode, ça prend 2 secondes. Et le charger depuis le jeu. Ah! J'ai déjà vraiment bouffé une pièce en fait. Peut-être. Mais du coup, là, oui. Je dois me déplacer de 1 en diagonale, théoriquement, je peux faire ça. Alors, sur ma pièce? Ouais. Alors non parce que du coup sur un tu peux pas te déplacer sur une case où il y a une pièce et lui le Gluck il va attaquer ici en oui, avant il va attaquer de face. Comme écrit sur la carte c'est entre les deux cercles lui qui l'attaque. Je suis désolée. En plus c'est la première fois que j'ai regardé j'ai fait non c'est pas possible et après je me suis dit c'est peut-être possible. Et tu n'as pas à être désolé justement pose des questions. D'ailleurs je vais me mettre à côté. On va avoir les deux chats. Et du coup, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur les règles. Ouda Karos. Je me demande quand c'est le premier jeu de. Mes plateaux de ce jeu en réel. Voilà. Une idée. D'ailleurs, un fun fact, un Dejarik comme ça en physique et non en hologramme, il y en a un dans Rogue One. Dans la base rebelle sur Jeddah avec Saw Gerrera. On en voit en jouer du coup avec des figurines physiques. C'est très discret dans le film. Ah ouais? Ouais. Très très discret. Mais quand les rebelles se font emporter après la petite bataille sur Jeddah. Ouais. Il y a un plan 6000. 6000. Bon, on attend les 6000. Bravo à tous. Merci beaucoup. GG. Lui se déplace. Ça t'a perturbé. Oui. Ah oui, mais du coup Battlefront FR va arriver en France du coup. Été oh, atteint. Let's go. C'est bien. Pas trop bien. Alors. Du coup, FR va aller au Japon et en France. Ça va coûter cher l'année prochaine. Il est là. J'ai le droit de faire ça. Hein. Pardon, je n'ai pas regardé. Qu'est-ce que tu fais? Oui, lui il se déplace de 1, en effet. Ah, s'il est où? Super. Et voilà. What the putain de Saint Simonac of Jellybean of Saint Moufette of. Il y a encore un Canadien qui nous attaque. Of Carlis. Alors, toi tu as fait ça. Je vais me bouffer mon gardien là. Mon monoc. Non. Si. Non, tu peux le laisser. Non, tu peux le laisser. Regarde à droite. Et tu viens de me bloquer. Regarde à droite. Tu viens de me bloquer mon monoc. Parce qu'en fait, il peut se déplacer soit là, mais du coup, il peut pas parce qu'il y a une pièce. Il peut se déplacer. Quoi? Ah bah tu peux trouver ça sur moi.
Du coup, je disais que en me déplaçant, soit je peux aller là, mais du coup, je peux pas parce qu'il y a la pièce. Soit c'est ici, mais dans tous les cas, que je me déplace là ou que je fasse rien, tu me bouffes. Du coup, Non, mince alors. mon monoc est mort. Et du coup. Moi, je vais faire un surplace avec mon éclaireur. Marche. Jaoto, moi, c'est à 8000 que je me rase. Bah alors. Je suis tombée. Il est en mai. Tu peux mettre de côté la mienne, voilà. Tu peux le redresser, le tien. Le pauvre. Attends, t'as ajouté ça de tracé? De quoi? Tu as ajouté ce Donation Goal? Oui, à 8000, je me rase entièrement. Enfin, je me rase la barbe et la moustache, quoi. Faut y Et aller alors, 8000, les gars. à tous les coups, je vais ressembler, je sais pas si tu t'en souviens, mais à Obi-Wan qui s'est entièrement rasé dans The Clone Wars quand il a pris l'apparence d'un chasseur de primes. Oui, oui, C'est oui. cursed à fond. Mais à tous les coups, c'est ça. Et du coup, c'était un piège. Du coup, je t'ai laissé me bouffer Je m'en suis pour douté. moi-même bouffer Je celle-là. m'en suis douté. Voilà. Je me suis dit, c'est trop facile. En plus, Mais je te dis et tout, tu m'emmènes forcément quelque part. si tu Tu savais m'as pourquoi tu déçu. l'as fait. On est ex aequo. Bah, Parce Tarkin, que j'étais pas sûre. je me rase quand? Je me rase quand on atteint les 8000. Au moment où on atteint les 8000, je me rase. Je pense qui m'attirait l'un des rares qui était vraiment repérable sur mon plateau où je prenais ses mouvements. Oh, let's go! Merci Yann! J'ai 20 euros. Wow, merci beaucoup. Oui, je le fais en direct, Tarkin. Et le but, c'est que ça reste dans le cadre de l'event. Lui, le gardien, attends, je crois que je commence à être un peu teubé. Il se déplace de côté, on est d'accord. Alors, le Il gardien, attaque. le gardien, le gardien, le gardien, toi c'est ton Molator. Lui, alors, par exemple, il va se déplacer soit là, genre en fait il fait 1, 2, 1, soit là donc, ou soit là. Ah, comme le cheval. Exactement, et il va attaquer soit là, voilà. De deux sur le côté. Du coup, ouais, tu peux déplacer là, exactement. Mais du coup, tu m'en as donné un autre gratuitement là. Oui, je vais le bouffer là. De la même Attends, tu te façon, dé... je vais bouffer l'autre. Attends, tu... Ah ouais, tu te déplaces comme... Ah merde! Oh là là, les temps sont durs, hein, c'est dur. La première partie, t'inquiète. Vas-y, à toi. Franchement, t'aurais pu venir en face de moi quand même. Hein. J'aurais pu. Le Donation Gold, teinture cheveux blonde pour toi, c'est quoi? C'est combien? Pour moi? Bah c'est dans ton chat hein, que c'est demande. Moi, c'est si vous me faites les 10 000. 10 000. C'est officiel? M'en fous, j'ai des perruques pour Padmé. 10 000. Julien? Y'a un Donation Goal en plus. C'est Moiri pour 10 000 et ce teint en blond. Ah, me coûte cher de coiffeur cette merde. Pardon. Du coup, t'as fait ton prédateur de deux sur le côté, ça? Ouais, exactement.
Okay, me dis pas que j'avais pas le droit parce que j'ai validé mon tour. Non, non, c'est ça. Non, c'est bon, c'est bon. Non, mais après, c'est pas grave parce qu'en soi, je pourrais valider mon tour et tu pourrais rechanger. Ouais, ça va. Ok. Par contre. Quoi? Oh, c'est pas mal ça. J'aime bien. Dis pas de bêtises, le but en soi pour le financement complet du fanfilm, je crois que c'est 11 000, c'est pas 10 000. Hein. C'est 11 000? Ah bah si c'est 11 000, c'est 11 000. Ah non, non, tu as dit 10 000, ça a annoncé 10 000. Merde. Ouais, c'est 11 000 pour terminer le. À 10 000, c'est un sabre laser collector de Dark Magus unique offert à un membre de la communauté. Oh waouh! Donc une moirie blonde plus un sabre. Oui, et unique, édition limitée 1 sur 1. Vraiment attendre les 10 000 plus au passage un barrex sans poil. Oui bah ça sera 8k. C'est quoi déjà 8k le à 8 000? Une réplique du double sabre de Satil Shan offerte à un membre de la communauté. Il est magnifique d'ailleurs, on l'a ici en physique là, il est magnifique. On est vraiment sur des donations de goal, on s'est associé avec des sabres en fait. Oui bah, on va dire 4 000 en 12 heures. Bah vas-y Jao, hein. On voit tout ce que t'as. Je rigole, on se fait pas. On fait pas de bêtises. Bien. Oui, j'ai ce qu'il faut. Marqué 10 000 sur la barre de la cagnotte. Mais sur le donation goal, c'est 11 000. Sur la liste de donation goal, parce que 10 000, c'est le sabre de Magus. Ça me revient. Alors. Attends, c'est ton prédateur qui t'a bougé de 1 en avant, d'accord. Ça marche. Vas-y. Bien, moi je vais te manger. Je vais te manger lui. Et du coup là, tu n'as plus qu'une seule pièce. Donc tu as 3 tours. Bonne chance. C'est avec. Je te le remange du coup. Ah. Calcul sympa, bon. Par contre, en soi, tu aurais pu manger mon éclaireur, parce que du coup, c'était en L. Mais dans tous les cas, je t'aurais mangé avec la volute aussi. Ah, mais j'ai pas compris que je pouvais attaquer en L. Regarde, la limace attaque en L, se déplace de 2 sur le côté et de 1 en avant. On a le temps d'en refaire une? Mais bien évidemment, on a largement le temps. Ah, let's go. Largement. j'ai entendu. Hein. Alors attends, je vais replacer les cartes et je vais te donner la main. Non, pas là. Tac. Et tu peux placer tes pièces et tu peux étaler tes cartes pour toutes les voir. Ok.
à 7000 Elle est du Tigrades. free-to-play? Ouais. À 7000 Tigrades qui va jouer à Battlefront 2 en full armure, c'est-à-dire qu'il il jouera debout. Oh, pas mal. Je vais commencer avec ma brute, ici. Dormi, Julien. 2 heures peut-être, un truc comme ça. Je sais pas comment il fait. Ok. Et pouf. Du coup, la brute qui peut se déplacer sur le cercle extérieur à la case opposée. Je suis aussi peu intéressant. Compte. Ma stratégie, jouer comme Barek. La musique in-game qui. Le gars qui tournait en boucle sur la même note, c'était infâme. Voilà. Alors. Ah! Mais c'est-à-dire que tu as fait la même chose que moi. J'avais pas vu. C'est ma stratégie. Non, c'est ma stratégie. Tu me piques pas ma stratégie. Alors, Ma stratégie est de faire un effet miroir. là, ça va être un choix de quelle pièce je te laisse gratuitement. Je peux pas sauver les deux. Alors, qui c'est qu'on va sacrifier? Oh, j'ai une idée. Ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Ah, dommage. Que si je fais. Ah non, ça marche pas. Ah, dommage. Les patates avec un tablier. Ça fume. La patate? Bonjour, patate. Bonjour, Marie. Tu m'embêtes là? J'aime bien. Oui. Je sauve mon prédateur. Déjà ri. Bah regarde, je peux faire le flip, hein, toujours. Je l'ai fait tout à l'heure à la partie. Tu peux enlever la pièce d'abord. C'est à moins que tu trouves le point d'équilibre parfait. No. C'est vous. Bah du coup j'ai pas trop le choix sur celui-là. Hop, tu peux aller là. Discuter de faire du Battlefront de full armure mais avec une plaque d'armure en moins après chaque partie gagnée. Oh, c'est un peu sentencieux quand même. C'est technique. C'est une nouvelle c'est version. un BF strip. C'est une nouvelle version du strip poker en Battlefront. Mais on parle que de l'armure, il y en a combien? Alter? Alter? Enlever une partie d'armure après chaque partie, c'est un peu un strip poker de Battlefront. C'est ça, c'est Il est un au strip courant de ta Battlefront. grade? Bah, je sais pas si c'est Shadow ou Tigrade qui va proposer, mais. On est d'accord que là, je peux me déplacer dans tout cet espace-là. Exactement. Un dans n'importe quelle direction.
alors je le laisse là. Ok. Tu m'embêtes beaucoup là. La dernière fois que tu m'as fait ce coup là, tu m'as piégé. C'est quoi le Yes Life? Ah, pas deux fois. C'est pas dans Dungeon Gold? Pardon, tu m'as dit quoi? Je disais, la dernière fois que tu m'as dit ça, tu m'as berné. Tu pourras pas deux fois. Non, mais vraiment, premier degré. Est-ce que là, tu peux me faire ça? Non, je peux pas faire ça. Bon allez, je te bouffe ton éclaireur. Aïe! Hop, ici. Non! Eh oui! Ah, my lover! Ah, my friend! Ok, alors attends, si je te faisais autant. Tu as perdu ton glu! Mon glu! À tes souhaits! T'as pas bouffé la bonne pièce? Pourquoi j'ai pas bouffé la bonne pièce? Non, j'avais fait des calculs, mais les calculs ils sont pas bons. Je bouffe pas ce qui t'arrange, moi. T'en sors? Ah, te fait pas mal au crâne, hein? Lui, dans tous les cas, pardon, je sais pas, puis tu m'entendais pas. Tu me bouffes. Oui. C'est ça mon problème. C'est comme ça qu'on fait. That was the point. Toi, tu peux déplacer là. Ah, bah maintenant, oui, tu peux déplacer là, effectivement, pour le sauver. Ouais, mais du coup, c'est le move de ton éclaireur, donc j'étais pas sûr. Je crois qu'il attaque. Ah, ouais, c'est comme ça qu'il mange l'éclaireur. Ok, c'est pour ça que j'ai pris autant de temps pour réfléchir. Par contre, du coup, je peux bouffer celle-là avec mon prédateur. Oh, mais de toute façon, j'étais cuite. Ouais, tu vois, je l'avais même pas vu avant. Oula, les dos se resserrent sur mon gardien. C'est serré. Moi je suis serré. Toi t'es, franchement t'es en détente là. Non.
Ça, je peux, tu peux en bouffer un sans que. Avec ton modulateur, tu peux m'en bouffer un sans que je puisse t'en bouffer un juste après. C'est lui le modulateur. Ah, j'ai pas... Excuse-moi, je te répondais depuis tout à l'heure, mais j'ai appuyé pas sur ma souris. Je dis, vu que j'ai posé mon jeton, pas enfin, mon pion, tu m'autorises à retourner en arrière. Je t'autorise à retourner en arrière. Ah bah oui, je pouvais bouffer lui du coup. C'est oui. Lui le deuxième, c'est de deux sur le côté qui bouffe. Le molator. Ah, ok. Merci. Tu vois que c'est serré, 2-2. Et on a switch de partie de plateau. Oui, c'est... Et si t'arrives, au bout, tu peux ressusciter une pièce comme au jeu de dames. C'est faux. Oui, bah, et puis je connais pas le jeu de dames. J'étais en mode, ah bon, attends, c'est une nouvelle règle. J'étais pas au courant. Et nouvelle règle. Tu peux valider ton tour, s'il te plaît. Excuse-moi. Je vais. Je fais quoi? Je vais mettre ma brute là. Interesting. Ok, je vais mettre mon prédateur là. En plus, on est... Ah non, toi t'as un gardien brut et moi j'ai prédateur brut. On n'a pas exactement les mêmes. Ouais, il y a une config différente. Attends. Ouais, t'attaques que de face, toi. De quoi? Le... T'attaques de face. Lui, il attaque en L. Oui. Du coup, il pourrait attaquer là ou là. C'est... Attends, c'est quoi sa classe déjà? C'est l'équivalent de ta limace. Hein. Bien. Je suis un peu coincé quand même là. Et c'était lequel que je pouvais laisser sur place? C'est le bleu que je t'ai... c'était le guc. Ah. Il est mort. Oui. Merci. Ok. On va amener la brute là, qui va revenir vers chez moi. T'as tout cassé? Ah, attends, redonne pas le tour, que j'arrange le truc. Ah! J'ai tout cassé? Non, c'est moi qui fais une mauvaise manip. Attends, je remets le plateau. Le plateau est parti. Saboteur. Le plateau est parti. Donc comment je peux faire? Ah si. Toi, tu étais là. Toi, tu étais là. Toi, tu étais là. Et toi, tu étais là. Généralement, si je resélectionne tout, je peux remettre. Tout va bien. Vous avez rien vu.
Alors, moi, j'ai plus de plein de mes cartes. J'ai tout cassé. Non. T'as une carte là. C'est de l'arrange, j'en peux plus. Alors, si tu veux, pour. C'est un peu bancal. Non, mais t'inquiète. J'ai pas de problème, plateau. Ah, si, attends, je peux choper tes cartes, elles sont dessous. Elles sont là. Il y en a une là. Et où la dernière? Bah, tant pire. T'as quoi comme carte? Là. On s'en fout, Mantellian et Molator. Bah, c'est bon, t'as les deux cartes qui te manquent dans tous les cas. Vas-y, tu peux jouer. Potter. Désolé. Excusez-moi. En fait, sans faire exprès, j'avais sélectionné le plateau et j'avais fait distribuer. Donc, en fait, c'est une commande automatique quand t'as des cartes pour les mettre dans ta main. Et sauf que là, ça a sélectionné le plateau que ça a mis dans ta main. En entier. Oh. Alors, mon Molator, il peut se déplacer en L, hein, on est d'accord. Ton Molator, c'est un gardien, si je dis pas de bêtises, donc c'est lui. Lui, il se déplace en L, donc il peut se déplacer là ou là. Oui, c'est ça. Là ou là. Non, t'inquiète, ça passe. Il est en mouvement le plateau. Bah du coup moi je te bouffe ton gardien. Avec ma botte. On va faire une course poursuite là. J'annonce. Ah, bah d'ailleurs, je suis en train de penser que t'as plus qu'une pièce donc normalement t'es censé avoir 3 tours. Je sais pas combien est-ce qu'on en est. Ah, bah c'est le deuxième. Yep. Moi j'étais prête à te fuir. C'est pour ça que c'est limité à 3 tours sinon c'est infini. Oui, mais y'a quelqu'un qui a retourné le plateau donc on a oublié qu'il y avait les pièces vertes et qu'il y avait les fameux 3 tours. Alors, à tous les coups, c'est les pièces vertes et ta dernière carte qui sont sous le plateau, je pense qu'ils font un truc bancal. Du coup, c'est ta faute ou que ce sont tes objets? Ah oui, bah oui. On n'aura pas ma dernière pièce. Tu valides ce tour? Bah, je te le mange, du coup. Bah oui, je sais. En tous les cas, tu me l'as bouffé. De toute façon, en tous les cas, je peux l'air. Ah, mais ça va, oui! Ça fait. Hop là! J'ai aucune stratégie. Bon. Bah, c'est pas la revanche, ça? Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui se passe, Marie? Ouais, mais alors. Après les Mando, il y a eu Lethal Company qui est passé en cours de route, un manque de sommeil. Je vois pas de quoi tu parles. Hein. Et une mauvaise mélodie qui me reste en tête. Moi par contre je vais devoir te laisser puisque dans 10 minutes ça va partir sur du Squadrons. Paramétrage à faire. Ça marche. Est-ce que tu peux me faire juste un petit récap qui est côté horaire, donc Hunter c'est 16h non? Alors, je vais sortir le planning. Je te remercie. Alors, petit récap, planning. Tac, il est où? Tac. Alors, du coup, là, à 13h, ça va être du Squadrons. À 16h, ce sera du Padzak. Donc, on sera encore une fois sur Tabletop Simulator, comme ce qu'on vient de faire ici, sur le Dejarik, ou encore avant-hier sur le Kessel Sabak. Okay. À 18h, c'est du Hunters, avec du coup normalement toi, Thanas et Tribune.
Et à 20h, ce sera le quiz où il y aura des prix à gagner. Minimum 10 prix. Ok. Je m'étais inscrite ou pas au Padzak ? Pardon ? Je me suis inscrite ou pas au Padzak ? Tu n'es pas inscrite, mais tu peux tout à fait participer. Parce que moi là je vais cut parce qu'il faut que je fasse des trucs, ouais, et pour reprendre sur la fin de journée et tout installer, etc. Juste petite question sur Hunter, oui. Tu comptes jouer Switch ou émulateur PC? Bah je vais regarder parce que si j'arrive sur Switch, bah je vais faire sur Switch. Ouais. En soi, techniquement ce sera plus simple sur Switch parce que le jeu est fait pour être sur Switch. Okay. Après je le trouve plus agréable sur émulateur PC parce que tu peux jouer en clavier souris et du coup t'as pas mal de paramétrages à faire. Et après je t'ai envoyé en MP une vidéo tuto qui dit l'essentiel de ce qu'il faut faire. Okay. Mais sache que ça prend un petit peu de temps à paramétrer. Ok, ça marche. Toi tu restes en stream là du coup? Ouais je vais enchaîner Squadron, Spazak Hunter là et quiz jusqu'à la fin jusqu'à cette nuit. Ok, ça marche. Et bah, et trop cool. Et je demanderai des revanches, hein, au Déjaric. Pas de soucis. Même juste pour apprendre le jeu. Et d'ailleurs, dans la mesure du possible, je vais essayer toujours d'emmener mon plateau de Déjaric sur les différentes conventions. Donc, aussi, hein. De manière générale, aux autres aussi. Hein, si vous voulez faire du Déjaric, je vais essayer de. Parce que j'aime beaucoup comme ça faire les animations de jeu comme on avait fait à la Star Wars. Voilà. C'est d'amener ça un peu partout. Ouais, c'est trop cool. Et comme je l'avais dit, je crois que j'ai dit dans mon vlog où je l'ai dit IRL, mais votre stand à la Star Wars, c'était trop cool. Merci parce beaucoup. Que t'avais un côté où t'apprenais, et pour les peu de conventions que j'ai fait, j'avais pas encore vu de stand qui proposait de jouer. Beaucoup de merch, beaucoup de vendeurs, de custom ou des choses comme ça, mais genre en immersion. Ouais, il y avait la cantina qui était pas loin de la scène là. En face de First Ghost, oui. Mais je crois qu'ils avaient pas vraiment de personnes comme nous qui venaient expliquer les règles et jouer avec les gens. Je crois, c'est ce que j'ai entendu. Je suis pas allé tester leur truc. Mais je crois qu'ils proposaient du sabbat uniquement parce que moi j'étais passé, j'avais un peu parlé avec eux, mais en vite fait. Puis après, en fait, le week-end est passé tellement vite que je suis pas repassé. Mais non, mais bref, moi je trouvais ça trop cool. Et bien évidemment, Robin. Temps, t'expliques bien et tout. Bien évidemment, Robin, je n'aurai toujours pas de strat, hein, la prochaine fois. Ça ne va pas changer. Maintenant, Robin, tu peux le faire à distance, t'as vu? Et oui. Il va le tryhard. Sur tabletop, en fait, tous les jeux que j'avais là-bas, j'avais du Sabak, du Padzak, du Dejarik. On avait aussi du deck building game. J'avais amené aussi. Il s'appelle Bordure Extérieure. Tout ça, ce sont des jeux qu'on peut faire sur Tabletop Simulator. Il y a plein de modes qui sont faits. C'est très très modulable. Après, il n'y a même pas que du Star Wars. Hein. C'est un super jeu. Vous payez le jeu dans un ensemble. Après, tous les modes sont gratuits. Oui, voilà, donc voilà. C'est vraiment cool et complet. Eh bien, écoute, amuse-toi bien. Merci pour le raid. Et boy de rien, avec plaisir. Et puis, à tout à l'heure. Ouais, à la prochaine. Salut. Merci beaucoup. Salut, de rien.